C'est toi qui danse le... Alors, 1, 2, 3. Oui. Dans cet espace qui a été soutenu par le Rotary Club Tampon-les-Plaines, ainsi que la commune du Tampon, c'est une volonté politique forte du maire André Tianakoun, que d'y accueillir des personnes âgées autonomes et semi-autonomes, en prévention, mais également des personnes qui peuvent déjà être atteintes de troubles cognitifs, notamment maladie Alzheimer ou apparentée, qui vont pouvoir donc participer à des activités, ainsi que, avec leur aidant familial qui les accompagne, l'aidant lui-même pouvant bénéficier d'un groupe de parole animé par des bénévoles qui ont été formés par une neuropsychologue du centre hospitalier universitaire, site du Tampon. Constater que les gens souffraient énormément et que les aidants avaient vraiment besoin de souffler. Et là, c'est là où j'ai dit qu'il fallait essayer de trouver une solution pour aider ces personnes. Et j'ai abordé monsieur le maire, qui lui m'a écouté. Il a entendu et il a adhéré. Il va avoir aussi des ateliers. On va accueillir les malades. Oui, oui, j'arrive. On va accueillir les malades et il va avoir des ateliers avec des bénévoles dans des domaines, des compétences diversifiées qui vont intervenir et permettre par la même occasion aux aidants de souffler et aux malades de sortir de leur isolement.